Alors les nouveautés pour cette année 2013-2014 vont être nombreuses, comme tous les ans à l'ESGI. Déjà on se prépare à accueillir 100 étudiants de plus, puisque vous serez 800 étudiants à la prochaine rentrée. Ensuite, nouveauté vraiment majeure, c'est la création de nouvelles spécialisations. La spécialisation système réseau et sécurité est séparée en deux nouvelles spécialisations, donc système réseau et cloud computing d'un côté et sécurité informatique de l'autre côté. Au-delà de ça, les spécialisations existantes vont aussi connaître des remaniements dans leurs programmes, comme tous les ans, on a à peu près 15% des programmes qui sont nouveaux. Pour vous donner quelques exemples, en architecture des logiciels, on va avoir un nouveau cours sur le NoSQL. Dans la mobilité, on va avoir des cours d'approfondissement de niveau 2 sur Android, sur iPhone, un cours sur Windows Phone, un cours sur Linux embarqué, un cours sur les architectures et périphériques mobiles, et notamment les architectures liées à l'Internet des objets. Dans la filière Internet, on va avoir des nouveaux cours sur SharePoint par exemple, sur l'ergonomie du web, sur le marketing lié à la mobilité. Dans la filière jeux vidéo, on va avoir des nouveaux cours sur Serious Gaming, sur la vision par ordinateur, sur la 3D temps réel en partenariat avec Dassault, sur le business model du secteur D. Dans les premiers cycles, notamment en deuxième année, on ajoute un nouveau cours de découverte des différents métiers, donc où les étudiants vont faire un parcours en contrastant de professionnels, d'anciens, pour pouvoir à la fin de la deuxième année choisir en toute connaissance de cause la spécialisation qu'ils prendront dans l'école. Donc ça c'est vraiment des nouveautés importantes. Au-delà de ça, l'objectif de l'école, c'est vraiment de consolider toutes les démarches autour des projets, autour d'OpenESGI, autour des laboratoires pédagogiques, autour du club des entrepreneurs qu'on a initié ces dernières années. Je pense qu'on a déjà fait beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de choses qui vont pouvoir être développées. Ça nous a permis d'ailleurs d'obtenir cette année un certain nombre de récompenses à l'ESGI et pour ses étudiants, dont d'ailleurs le MCE Award que je vous présente. Et je pense qu'on va continuer là-dessus et je suis sûr que l'année prochaine aussi, on aura plein d'étudiants qui seront distingués dans différentes catégories au sein de l'école. Pour finir, pour gérer tout ça, il faut aussi que d'une part on renforce l'équipe, donc c'est ce qu'on est en train de faire. L'équipe de l'école est renforcée au niveau des relations entreprises, au niveau aussi du service pédagogique et notamment on va avoir l'année prochaine 4 responsables pédagogiques, donc M. Lioré, M. Sanan, M. Hennou vont être rejoints par M. Descoutures qui va être chargé de piloter la filière ingénierie du web et e-business. Et puis pour bien mettre en place aussi tout ça, vous le savez, on vous l'a annoncé, on aura un déménagement début 2014 sur le site d'Erard, donc à la rue Erard, qui va nous permettre d'intégrer un bâtiment très moderne, très lumineux, très confortable et qui nous permettra ensemble de travailler sur tous ces sujets et d'atteindre ces objectifs qu'on se fixe pour l'année prochaine. Bonjour, Hennou, professeur à l'ESGI. Alors je vais vous présenter tout d'abord les deux nouvelles filières qui sont la sécurité informatique et système réseau et cloud computing qui vont remplacer l'ancienne filière système réseau et sécurité de l'ESGI. Alors la première c'est la filière sécurité informatique qui est une filière nouvelle puisque on va former des spécialistes de la sécurité, des spécialistes en pentest. Alors nous collaborons avec EC Council sur 3 de leurs gros morceaux en termes de certification, à savoir la première en 3e année, la NSA, EC Council et NSA, donc Network Security Administrator. Ensuite en 4e année, nous allons former les étudiants à la CEH, Certification Ethical Hackers, et en 5e année à la LPT, la licence en pentest, qui est l'une des plus hautes distinctions en termes de sécurité. Alors ça c'est pour la filière sécurité. Ensuite vous avez la filière système réseau et cloud computing avec une dimension aujourd'hui qui est très, très imprégné, qui est le cloud, donc le dimensionnement d'architecture au niveau cloud, dimensionnement en termes de sécurité du cloud. Alors le cloud va peser de plus en plus lourd puisque les derniers quadrant indique au moins plus de 200 millions de dollars d'investissement pour les entreprises du CAC 40. Voilà pour l'année 2013.